Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 25 novembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Sillé-le-Guillaume, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce tournoi de grande qualité ouvert aux trotteurs européens, il ne faudra pas hésiter à faire confiance à nos favoris. En théorie, sur le parcours de longue haleine des 2850 mètres de la grande piste parisienne, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. À nos compétiteurs d'âge d'assurer le coup désormais. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 4, Epsom Derfray. Piloté par un Éric Raffin venant tout juste de prendre 40 ans et en pleine possession de ses moyens depuis de nombreux mois désormais, il devrait tout simplement lancer son meeting hivernal par une très belle victoire aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 16, Equinox. Déféré des antérieurs pour la première fois de sa carrière, ce fils de Texas Charm présenté par un certain Jacques Bruno et piloté par Mathieu Abrivard devrait confirmer sa plus récente deuxième place. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Deus Ex Machina. Hervé Sionneau l'aime beaucoup et pense que ce fils de Ricimer n'est pas incapable de monter sur la plus haute marche du podium au terme d'un parcours sur mesure. En quatrième position viendra le numéro 3, CD. Jean-Michel Bazir affiche une belle confiance avant coup pour les places et c'est tout logiquement qu'il faut la retenir dans une combinaison en 5 chevaux. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Elliot Dambry. Alex Abrivard est aux commandes de ce pensionnaire de la famille Planchenot qui sait finir vite lorsque l'effort lui est masqué durant le parcours. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 15, Prosperus. Avec l'aide de Dominique Lecneux et présenté par Henke Grift, s'il fait sa meilleure valeur, il doit lui aussi conclure dans l'argent. En avant-dernier choix, le numéro 11, Headshot Jocelyn. Donnant entière satisfaction à son entourage depuis qu'il a rejoint les box de la famille Brideau il y a maintenant plusieurs mois, il peut une fois encore faire partie des 5 premiers à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Erdelios. Cette femelle, présentée par Franck Harel, peut compter sur la précieuse aide de Mathieu Mautier pour avoir le parcours caché dont elle a besoin. En cas de non-partant, le numéro 12, Ezelio Smart, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, Top Prono est une fois encore dans le coup en indiquant tiers et quarte et quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.